Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo routine. Voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que je fais quotidiennement avec Saphir quand je viens le voir. Donc comme vous le savez maintenant, il est quasi pas montable, hein. Je monte une fois par semaine, mais ça m'empêche pas de venir le voir quasi tous les jours. Voilà. Je vous avoue, le lundi je n'y vais pas parce que je finis tard et le mardi je commence très tôt. Mais le reste du temps, à part si je pars en week-end exceptionnellement, je viens là tous les jours et je fais toujours la même chose. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu ça. C'est parti! Et on commence bien évidemment par curer les pieds. Comme vous pouvez le voir, Saphir a les antérieurs relativement propres. Merci le pré et le fait qu'il n'ait pas de boue. Par contre, sur les postérieurs où il n'est pas ferré, il y a un petit peu de saleté qui s'accroche. Ensuite, je lui installe les Ice Vibe. Donc, en premier temps, il y a les poches de froid à placer grâce au velcro. Donc, il y a un sens, il y a une qui va à gauche et l'autre à droite. Et ensuite, on vient y poser par-dessus les guêtres qui vibrent. Donc là encore, il y a un sens, donc toujours une à droite et une à gauche. Et c'est noté, donc right à droite, left à gauche. Pour les mettre en route, il suffit d'appuyer sur le bouton. Je vous laisse écouter le bruit des vibrations. C'est parti pour le pansage. Donc je commence par lui démêler la queue. Donc je mets un petit coup de spray donc dans la queue et la crinière. J'attends quelques secondes que ça agisse, puis je commence à lui brosser la queue. Je débute toujours par le bas, puis je remonte petit à petit. Je choisis entre l'étrier adapté, donc là il n'a pas de boue, donc aucune utilité pour l'étrier américaine, donc je choisis celle en plastique. Je m'en sers surtout pour lui décoller les poils et pour le gratter parce que comme vous pouvez le voir, là il n'est pas du tout sale. J'enchaîne direct avec le bouchon, donc là c'est une brosse à poils durs qui me servira à enlever toutes les saletés que l'étrier aura décollées. Puis c'est au tour de la brosse douce qui décollera toute la poussière et qui le lustrera un petit peu. Et celle-ci, c'est vraiment sa brosse préférée. Et je termine toujours mon pansage par lui brosser la tête et c'est la partie qu'il adore. En général, mon pansage dure une bonne vingtaine de minutes, ce qui me laisse le temps aux Ice Vibe de finir. Je vous ferai une vidéo explicative d'ici quelques temps sur les Ice Vibe.
sous les conseils de Antoine, mon maréchal, je lui applique une à deux fois par semaine de l'huile de cade pour lui faire pousser ses talons. D'ailleurs, s'il passe sur cette vidéo, je pense que je vais recevoir un petit message comme quoi j'en mets beaucoup trop. Mais bon, c'est un petit peu comme les pâtes et le riz, c'est difficile à en mettre pile la dose. Et voilà, j'espère que cette vidéo routine vous aura plu. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!